et les tribunes sont déjà pratiquement pleines. Ambiance magnifique. Et puis ce grand soleil qui brille depuis le début de la journée. Bref, tous les ingrédients sont là. Tout le monde attend cette rencontre depuis des jours. On ne parle que de ça ici, dans les journaux, au café, entre collègues. On va vivre un très beau match de football. Ce stade est un décor magnifique pour cette affiche. Quel plaisir d'être là. Et on écoute l'hymne national autrichien. Quelle émotion pendant ce premier hymne, écoutons le second. Allez Darren, un petit pronostic, qui sera l'homme du match? Peut-être bien Ivan Perisic. Il terrorise les défenses qui jouent sur les ailes ou en deuxième attaquant. Il a un petit peu de magie des Balkans en plus. Oui, je suis plutôt d'accord. Et on rentre dans le vif du sujet. C'est un choc au sommet, on rappelle. Ça nous promet une belle rencontre. Brozovic. Kovacic. Le ballon dans la profondeur. La Croatie qui est sur une très belle série. 5 matchs consécutifs avec au moins un but marqué. Perisic. C'est bien fait ça. L'arbitre siffle une faute. Le gardien loin devant. Bonne interception, il y avait danger. L'Autriche est actuellement la meilleure attaque du championnat. Quelle efficacité! Il cherche la profondeur. Il est passé. Il progresse encore. L'accélération. Allez, c'est dangereux! Il rate le cadre. C'était un contre rendement mené, comme vous dites, et avec un peu plus de réussite, ça aurait pu être un but magnifique. Ça joue long vers l'avant. C'est joué long. Ce sera une remise en jeu. C'est joué long. Il a stoppé l'attaque adverse. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Perisic. C'est bien donné. C'est joué dans la profondeur. Frapper là. Attention au coup franc dangereux à suivre.
Il aurait pu être sanctionné, mais finalement c'est simplement un rappel à l'ordre verbal de l'arbitre. D'ici, il peut très bien tenter une frappe directe. Directement. Et la barre qui tremble, il s'en sort bien. Baumgartlinger. L'Autriche qui utilise ses latéraux quasiment comme des ailiers. Et vous pensez que c'est pour peser en attaque ou plutôt pour forcer les ailiers en face à défendre? Sans doute un peu des deux, Grégoire. Non seulement ils peuvent combiner avec les joueurs de couloir, mais en plus ça oblige leur adversaire direct à redescendre d'un coup. Plutôt malin. Pour reprendre le centre, dommage. Il a fait l'effort pour aller chercher ses ballons, mais ça ne suffira pas. Baumgartlinger qui récupère ce ballon. Pour Arnautovic. Bien, la prof... Ah, là-bas ! À côté. Rebic en retrait vers son gardien. Oh, c'est chaud. Oh, c'était engagé, mais pas de faute. Il allonge le jeu. Bien servi. Le bon dribble. Il a centré. Et c'est intercepté. Mais pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Touche donc. Brozovic. Elle continue sa course. Il y a peut-être un coup à jouer. Un bon centre dans la surface. L'Autriche qui cherche l'étincelle. C'est joué long, c'est dangereux. Oh, l'occasion ! C'est dégagé loin. Il y aura donc touche. Au tour du gardien de jouer. Les dégagements du gardien. Bon service dans la profondeur. Ça joue long. Il va avoir de l'espace. Il a tenté, bien joué. Il y a danger. Oh, la frappe. Très vite et pourtant ça a failli aller au bout. Lui, il a donné trop de temps à la défense pour se regrouper et à la fin il a dû se précipiter. Il tente de la jouer dans l'espace. Va-t-il en profiter? Il y a danger. Modric. Il est bien placé. Le ballon a franchi la ligne. Il ne résiste pas au contact. Et il perd l'équilibre. Kovacic. En la profondeur, bien vu. C'est vraiment passé tout près sur ce contre. Oui, surtout qu'ils étaient en infériorité numérique. S'il avait manqué son geste, ça aurait pu leur coûter cher. Touche. Modric.
La bonne passe. Oh oui! Oh la frappe! Bravo, bien joué! Ça pourrait être un but important, il marque juste avant la pause. Tout seul, face au but, c'est presque trop facile. C'est très bien joué, quelle passe et quelle finition! Mais la défense est quand même pas glorieuse. Voilà le match définitivement lancé. Ils ont marqué ce but que les fans attendaient. Maintenant, ils vont devoir protéger leur avance. La longue passe. Oh, le contre, l'arme Perisic. À la barre. Le coup de sifflet, c'est la mi-temps. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit coup d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Ils ont fait preuve de solidarité, de qualité technique et de générosité. Ils méritent leur avantage. 1-0, un seul petit but, c'est par les deux équipes. Coup d'envoi de la seconde période. Et voilà une avance qu'il va falloir défendre maintenant. Pourquoi pas tenter de faire le break rapidement? Baumgartlinger qui cherche la profondeur. Dans la profondeur. Il reçoit le ballon. C'est centré dans l'axe. C'est dégagé. Kovacic, un long ballon vers l'avant. La passe en profondeur pour Arnautovic. Dans la profondeur. C'est repoussé. Ça va vite, aussi il lève la tête. Le bon dribble. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Il allonge vers l'avant. C'était une bonne intervention. Dans la profondeur. Bien travaillé. Il peut frapper. À la barre. Quelle passe pour Arnautovic. Oh, voici Arnautovic. Il décide d'allonger le jeu. À la barre. C'est joué long, attention. Il relance côté droit. Bien joué ça. Perisic qui sent. Quelle détente! Oh non, sa tête n'est pas cadrée. Oh franchement, c'était pas le plus dur à mettre celui-là. Il en a marqué des beaucoup plus difficiles. Quel mauvais choix!
C'est l'occasion de procéder à un changement. Il change d'aile. Et le ballon qui passe de l'autre côté. Long ballon dans le sens du jeu. Le ballon est perdu, il va falloir revenir. À la bas. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. C'est joué. Arnautovic. Et il fait trembler les filets. Ces deux-là se comprennent à la perfection et une de parfaitement exécutée. Croatie qui effectue un changement. Ah, on devrait voir un petit peu plus de spectacle, de dribble et de vitesse. Et ça repart du rond central, égalité parfaite. Alors là, ça peut être un très grand match parce que les deux équipes se rendent coup pour coup. La passe dans la profondeur. Oh, voici Arnautovic. Le bon ballon. La passe est précise. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Hinteregger, c'est joué long. Il change complètement de côté. Le ballon sur l'autre aile. Ça bouge côté gauche. Un long ballon vers l'avant. Le gardien dégage loin. C'est joué long. Oh, voici Arnautovic. L'Autriche. C'est une occasion, ça. C'était une énorme occasion, mais c'est manqué. On profite de cet arrêt de jeu pour effectuer un changement. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jeu. Alors, il va mieux sortir maintenant plutôt que de risquer la blessure. Çaletatsar. C'est joué long. Il n'a pas hésité à tacler. Quel dribbleur, quel artiste avec le ballon. Maintenant, le centre. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. C'est osé. Oh, le bon ballon. Dans la profondeur, bien vu. Il préfère repasser derrière. Grosso, la frappe. Il décide d'allonger le jeu. Il y a du jeu, il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Quelle fait du bien, cette interception. Ah, mais quel dommage, quel gâchis, mais il n'arrive pas. Il va falloir beaucoup plus de percussions, beaucoup plus de permutations et surtout de la vitesse avant que l'arbitre ne siffle la fin de ce match. Bien, la profondeur. Quelle inspiration! Il est à distance de tir. À la bas. Ça doit être rageant pour eux. Ils auraient pu faire la différence sur cette action. C'est bien donné. Pris au piège du hors-jeu.
S'il le trouve. Modric. Rebic, qui a donc offert un but à son coéquipier. Il est bien placé. C'est parfait, magnifique. La longue passe. La frappe ! Ça peut rentrer cette fois. Voici un bon centre. Bon dégagement, bien joué. L'ouverture lumineuse. C'est fini. Le match est terminé. C'était un match spectaculaire, d'accord, mais à l'arrivée, c'était un match nul. Il a simplement manqué un petit peu d'efficacité des deux côtés aujourd'hui. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match ? Je dirais que c'était un match équilibré et pas sans intérêt. Il a manqué un petit quelque chose des deux côtés. Merci Darren Tulet d'avoir passé ce moment avec nous et merci à vous surtout de nous avoir accompagnés. On se retrouve très vite pour du football. C'est toujours un bonheur.